Bonjour à tous et à toutes, et encore une fois, donc bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va tester le jeu gratuit qui se nomme Soccer Manager 2022. Donc, un jeu de gestion qui est gratuit. Je vais vous montrer mon point de vue, comment monter un coach assez rapidement au niveau des statistiques. Donc vous avez plusieurs championnats. Au début, quand vous lancez le jeu, vous mettrez Ultimate Pack. Hein, ça va vous mettre les photos, les noms des joueurs. Donc moi, je l'ai déjà fait. Donc je vous conseille de prendre un gros club qui peut facilement remporter des matchs. Donc si vous allez en Angleterre, vous allez être en difficulté. En Espagne, Barça. Donc il y a plusieurs grands clubs. En Italie, c'est pareil. En Allemagne, éventuellement avec le Bayern, j'ai pas testé en intégralité, mais je pense que quand je vois l'effectif du Bayern, il n'y a pas trop d'équipes qui devraient vous résister. Enfin, il y a des équipes qui vont vous résister, mais plus difficilement. Et là, vous voyez en France, c'est le niveau des équipes en fait. Donc, commencez pas à vouloir prendre un petit club en premier, montez les notes de votre entraîneur, ce qui vous permettra d'avoir des meilleurs résultats. Donc vous voyez, au niveau des statistiques en France, vous avez Paris et après Lyon, et après c'est vraiment beaucoup plus bas. Sinon vous avez par exemple aux Pays-Bas l'Ajax qui est bien au-dessus, si je dis pas de bêtises. Donc ou prendre l'Ajax ou prendre Paris en France. Ça c'est le Portugal. Alors est-ce qu'il y a vraiment une équipe au-dessus au Portugal? Je pense que ça va se tirer la bourre à 3. Ouais, donc on va éviter le Portugal. Donc vraiment choisir une équipe qui soit au-dessus du championnat. Et je vais vous expliquer plus tard pourquoi. Là vous avez la Russie, mais je ne prendrai pas quoi qu'il arrive un championnat en Russie avec ce qui, les événements qui se passent. Ici vous avez en Écosse, c'est pareil. Vous avez Rangers ou les Celtics. Vous voyez? Donc, mais là on sera deux équipes. En Turquie, ça doit se valoir. En Grèce. À vous de bien définir votre championnat, encore une fois. Donc nous on va partir en France et on va prendre Paris, puisque je connais un petit peu plus les joueurs. Donc on va écraser la sauvegarde, j'avais testé pour voir que je vous raconte pas de conneries. Et donc vous avez un coach et vous montez les notes. Donc là j'ai monté un petit peu déjà mes notes, hein, je suis bientôt au niveau 3. Vous montez les notes de votre coach et les attributs qu'il peut générer au sein de l'effectif. Ok? Donc c'est pour ça que je vous conseille comme première partie de prendre un club qui est au-dessus, bien au-dessus des autres dans son championnat afin de remporter le plus de matchs possible, tout en sachant que par rapport aux compétences de votre entraîneur, vous êtes quand même assez bas, donc vous serez un petit peu plus en difficulté, mais vous gagnerez plus de matchs que si vous prenez une équipe de votre cœur ou de partir en basse division. Donc, ou sinon, il faut partir avec une équipe de basse division qui peut survoler un petit peu le championnat. Donc, c'est un jeu qui est quand même assez complet. Pour un jeu gratuit. Donc vous avez les boîtes de réception, on va vous dire des choses, vous avez votre équipe. Donc quand vous mettez le pack, vous avez les logos et les photos des joueurs. Chaque joueur a une note, a un potentiel, c'est important. Donc là, on est sur l'aspect l'aspect d'amélioration des notes du coach. Mais on pourra voir par la suite aussi comment essayer de générer de l'argent. Mais bon, avec Paris, j'ai pas forcément besoin de générer de l'argent. J'ai besoin d'avoir des résultats. Donc mon but, c'est pas de faire une longue carrière avec Paris, mais de monter le plus vite possible les notes de mon coach. Donc ça, c'est mon effectif 1. Donc on a les joueurs, on a les potentiels, les notes actuelles. Donc vous voyez, par exemple, Donnarumma, il a 88, mais il peut monter à 99. La valeur du joueur, son âge, sa condition physique, l'alchimie pour l'équipe. Donc après vous avez plusieurs petits aspects des notes, hein, ici avec les attributs, les stats par rapport au match qu'il aura joué. Si vous allez ici en condition physique, on va vous mettre la condition physique, mais il y a un petit aspect aussi. Il existe de bonnes alchimies entre Donnarumma et le Paris Saint-Germain. Donc voilà. Ça c'est pour ce qui est de l'équipe. Vous avez une équipe réserve également.
hein, avec des potentiels et des trucs, et des, pardon, des potentiels et des trucs, ça se dit pas, et des notes. Là, ici, vous avez un gardien, le tellier, qui a déjà 30 ans, qu'on va mettre en vente. Sera placé dans la liste des transferts, puisqu'il a 30 ans, qu'il est dans mon équipe jeune. Ici, vous avez 21, mais il a un gros potentiel. Enfin, un gros potentiel, il a un bon potentiel, et ici également, donc on va les conserver. Après, à vous, pareil, vous voyez par exemple que Ramos, il est plutôt sur le déclin, donc n'hésitez pas à vendre des joueurs qui sont sur le déclin, même si pour vous c'est des bons joueurs. Si vous voulez faire de l'argent, c'est comme ça que vous pourrez en faire. On verra ça par la suite. Là, pour le moment, moi, je veux faire des résultats et pas de l'argent, donc je vais conserver mon équipe. On peut peut-être filtrer. Non, on ne peut pas filtrer, ça c'est mise en place différente. Ok. Il aurait été bien d'avoir un attribut directement au niveau des contrats, mais je pense pas l'avoir. Parce que si je vais à rapport et les stats, ok. Manager, on a vu, c'est nos attributs, le calendrier, ce que vous allez jouer, les finances du club. Donc là, une prévision, la saison devrait finir en déficit. Vous avez la tactique de votre équipe. Donc nous, on va jouer comme ça. On va jouer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ici, on va jouer polyvalent, polyvalent. Ici, on va jouer et jouer dans la surface et jouer dans la surface. Et ici, on va mettre partout, on va mettre rugueux et on va laisser comme ça. Au niveau des rôles des joueurs, ici, milieu récupérateur, milieu relayeur, ça me va. Là, on va mettre juste attaquant de pointe. Ok, ça me va, on est d'accord. Après, vous avez les instructions pour les joueurs, ce qu'ils doivent faire, mais on va y revenir dessus en montant notre équipe. Donc, déjà, on va mettre Verratti, on va l'échanger avec lui. Gay, on va l'échanger avec lui. Et ici, on va mettre Di Maria. Voilà, on va être un petit peu plus offensif. On a Draxler ici qui peut être très intéressant. On va enlever Ebembe. On va enlever aussi Herrera et on va mettre Mendes. Si je dis pas de bêtises, ça joue à gauche. Ouais. Donc on va mettre Mendes. À droite, j'ai Hakimi. Kimpembe, il peut pas jouer à droite. Gueye, c'est un milieu. Ok, Icardi. Ici, c'est peut-être Dagba un petit peu faiblard. Kerrer pourrait jouer à droite, qui a 79. 79. Kimpembe, on va mettre Donnarumma dans les buts. Par rapport aux notes, là, je mets les joueurs. Donc vous avez les notes ici. Après, il y a des rôles. Chaque joueur a un rôle. Latéral offensif ici. Ramos ici, vous voyez, c'est marqué stopper. Marquinhos, c'est marqué défenseur relanceur. Donc chaque joueur a un rôle. À vous de voir par rapport à votre technique comment vous voulez les faire jouer. Icardi, ça fait un attaquant. Draxler, un milieu offensif. Mendes, un arrière latéral droit. Pereira, Gueye, ça me fait deux milieux de terrain. Kimpembe, un défenseur central. Donc on va mettre plutôt un défenseur droit. On a 79 ici avec Kerrer. Diallo, il peut jouer à gauche ou centre. Il a 79. Moi, j'ai monté Mendes. Qui peut monter en potentiel à 93. Alors que Diallo, en potentiel, il a quel âge? Il a 25 ans. En potentiel 84, donc on va laisser Mendes et on a Kerrer ici et presque à ce sommet, donc il pourra pas progresser. Kerrer, donc il sera à 79. Et on a dit qu'on a enlevé à la place de Pereira. Pereira qui est sur le déclin, qu'on pourrait même vendre. Et pour le moment, il a des bonnes notes, donc on va le conserver. Ça, c'est mon équipe. Vous voyez qu'il y a une cohésion d'équipe à 83. Donc, au niveau de l'aperçu, on a les entraînements. Donc, moi, j'avais déjà débloqué avec mon coach
une cage d'entraînement. Ici, on va faire tout de suite la tactique, essayer de la monter à 100. Alors, entraînement de base, on est en préparation. Alors, je ne sais pas si c'est bien ce que je fais pour les entraînements, puisque j'ai pas été assez loin dans le jeu. Et on va mettre de la technique. Merde. J'avais dit quoi là? Physique 5. 5. Technique, ça fait 7 en physique. 7 en physique. Et ça, c'est d'office. Ok, 7 en physique. Alors, vous avez vu ici, je vais remontrer. Ici, vous avez des petites notes. Donc, l'accumulation des entraînements ne peut jamais booster plus que 10. Ça, j'ai lu ça dans le guide. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de mettre en condition physique 20, puisqu'il prendra en compte que 10 de progression. Ok? Donc, faites bien attention à ça. Vous voyez là, en condition physique, je suis à 10. Tactique, on est à plus 5. Technique, on est à plus 5. Physique, on est à plus 5. Les buts, la défense et l'offensif, on est à 0. Donc pour le moment, on va booster ça, bien entendu, l'essentiel étant de monter les notes. Donc là, on va faire les séances d'entraînement. Ça, c'est fait. Aperçu. Donc là, vous avez ce qui est recruteur. Donc on peut affecter un recruteur s'il y a un poste qui nous intéresse. On a vu qu'à droite, on avait un petit peu des soucis pour le moment en remplaçant. Donc on va affecter un recruteur. Les positions, on va laisser ça. On va mettre en âge, le but étant de faire de l'argent, donc on va mettre moins de 25 ans. Hein. Au plus il va être jeune, au plus il va avoir une marge de progression, je pense. Fin de contrat, statut de transfert, pays, championnat, nationalité. Et on va faire recherche. On n'a pas de recherche particulière. On va faire recherche. Si j'aurais peut-être pu monter valeur du joueur, âge. Pays, championnat, nationalité, bon, pas d'importance. Merde, je l'ai pas fait. J'ai oublié de le faire. On refait l'ajustement. On a dit 25. Si je peux éventuellement, chercher un défenseur droit. Ça, j'en ai besoin. Milieu offensif, j'en ai deux pour le moment. Milieu offensif droit. Buteur, milieu offensif gauche. On a nos duos. Mais à je peux pas en ajouter plusieurs? Je peux mettre qu'une position? Ok, donc on va mettre tous. Pays, pas d'importance. Nationalité, pas d'importance. Valeur du joueur, fin de contrat. Pour nous, ça n'a pas beaucoup d'importance. Sélectionner au moins deux critères. Donc, deux critères. Donc, on va mettre pour le moment un défenseur droit. Et vu qu'on met défenseur droit, on va lui mettre le rôle de latéral offensif. Et on va mettre recherche. Donc là, il va rechercher. Hein, c'est le temps que ça va prendre. Aperçu. On a le sponsor à réaliser. Donc on va cibler sur un an. Le plus gros sponsor sur un an, c'est ça. Sinon, ça, c'est sur 2 ans. Mais ça ne change pas grand-chose. Si on gagne un peu plus ici. Donc si on va partir sur ça, parce que comme je n'ai pas des grosses compétences, peut-être que on ne proposera pas aussi bien par la suite. Donc on va plutôt cibler sur 2 ans. On va confirmer. Comme ça, on sait que sur 2 ans, on prend 3 millions. Ici, on est sur quoi là? Ça, c'est pour les rentrées d'argent. On va le mettre à niveau. Vous avez un truc important à faire, c'est votre centre d'entraînement, parce qu'au plus il va progresser, au plus, eh ben, ça va vous donner des compétences pour les entraînements de vos joueurs et les faire progresser. Donc, c'est quand même important de le faire. Après, si vous voulez vous inscrire dans la durée, ça sera le centre de formation en deuxième tâche importante. Alors attention, ça vous enlève de l'argent à chaque fois. Bien entendu. De bien prévoir qu'il vous reste des sous. Donc on a amélioré le réseau de recrutement, on a amélioré le centre de formation, on a amélioré le centre d'entraînement. Non, on n'a pas amélioré le réseau de recrutement. On n'a pas vraiment besoin dans un premier temps, on ne va pas s'en occuper ça. Puisqu'on a déjà une équipe assez compétitive. Et on a l'équipe de juniors.
Ok, en recherche. Ok. Attribut, calendrier, finance, tactique. Donc la tactique, on l'a vu. On a vu la tactique. Le capitaine, on va laisser Di Maria, je pense. Ah non, on va mettre Messi, il est à 100. Messi, il est à 100 avec OK. Neymar, Di Maria, Mbappé, on est d'accord. Tireur de pénalty. 81 Neymar, 86 Messi. Tireur de coup franc à gauche. Messi qui est gaucher, non. Di Maria qui est gaucher, non. Neymar qui est droitier, oui. Ici, on va donc mettre Messi. Les corners. On a Messi à 73, Neymar. Donc on va les faire tirer par Messi. Ça, c'est fait. La tactique elle est faite, l'adversaire je m'en fiche, coupe nationalité, transfert, pour le moment on n'a pas besoin, zone de club, entraînement, supervision en cours, équipe junior. Donc maintenant on va aller voir les messages qu'on a reçus. Donc ici la saison commence au mois d'août, stade, transfert, ok on s'en fout. Aperçu, rapport de recruteur. Ouais, on a déjà les retours sur le recruteur. 21 ans ici. James, mais qui vaut 53 millions, on n'aura pas les sous. Ça, c'est un buteur. Moi, je voulais un défenseur. Développement, développement. Donc, déjà, tout ça, on peut les enlever. 80, quoi que ça, lui, on va le laisser, mais lui, on va l'enlever. Développement, pareil, on va l'enlever. Et développement, pareil, on va l'enlever. En plus, c'est pas des postes qui nous correspondent. Ça c'est fait ici au niveau des messages. Donc ça on s'en fiche, c'est notre premier match le match de coupe. Ça c'est les joueurs qu'on a prêtés. Si on veut faire revenir un joueur, ça va nous coûter de l'argent, donc on va éviter. Le président nous souhaite la bienvenue. Calendrier de la saison, on va commencer par jouer le premier match d'ouverture contre Lyon. Le Tellier n'est pas servi de son statut dans l'équipe. Alors le Tellier, on l'a mis en vente, on s'en fout. Il voudrait être dans l'équipe pro. On va lui dire, je ne vais pas accepter à ta requête. Kurzawa, il voudrait être dans l'équipe pro. Je vais lui faire joueur de rotation. Icardi, on va lui dire je suis d'accord, même si on n'est pas forcément d'accord, mais bon. On va jeter à la poubelle nos réponses. Ok. Ah, j'avais peut-être un truc à faire. Ça, c'est fait, on va avancer. Donc, toujours. Priorité de regarder les messages. Kurzawa n'est pas satisfait, on l'a vu. Icardi n'est pas satisfait de son statut. Pourtant, je lui ai dit. Équipe pro, je peux pas dire mieux. Et aperçu du match suivant. Ok. Donc, on va pouvoir voir. Non, c'est pas ça que je voulais voir, c'était le calendrier. On va pouvoir voir qu'on joue le Red Star, le premier match. Ok. Donc c'est un match amical. En match amical, on a West Ham également. Et on a Monaco. Alors Monaco, c'est pas forcément une bonne chose, on va le virer. Et on va organiser un match amical contre une équipe. Inférieur. Comment je peux. Alors, ça, c'est la première fois que je fais. Équipe. Aperçu. Je peux pas changer d'équipe. Comment j'organise le match amical? J'aurais peut-être pas dû enlever celui-là. Alors, si on se met là-dessus, voilà. On va en organiser un ici.
On va prendre Anderlecht. Ça, je l'ai fait ici. On joue Lille. Ça nous fait nos trois matchs. Pour le moment, on va avancer comme ça. Au plus, je vais prendre des équipes hautes. Au moins, j'aurai de chances de gagner. Et le but étant de gagner pour pouvoir, encore une fois, monter le plus vite possible l'XP de mon coach. Donc là, on va jouer le premier match. Mendes, il a pas de numéro de maillot, on va lui attribuer. Gardien n'est pas satisfait. Il est dans l'équipe pourtant. Ok. Donc on peut booster ici, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, Hakimi il est à 87 et je pourrais éventuellement le booster avec un plus 2 et il monterait à 92 sur le match. Ou Verratti, 5% d'évaluation de renforcement, vous voyez, en utilisant des petits points qui sont ici, qui sont assez difficiles à avoir. Donc, on va pas le faire pour le match amical. C'est un match amical. On va le jouer rapidement. Donc là forcément on joue contre une nationale, on va mettre du but. Alors l'XP de l'équipe va pas être fantastique, mais au plus on va mettre deux buts, au plus il y aura de l'XP. On va revenir sur l'XP après, vous allez le voir. Donc 4-0 à la mi-temps, on va changer nos joueurs fatigués. Donc on en a 3, 4 en l'occurrence. Donc Bernat, on va mettre Mendes. Kerrer à la place de Hakimi. Par contre, Gueye, il est quoi Gueye? Milieu récupérateur. Donc Gueye à la place de Verratti. Et on va mettre Draxler à la place de lui. Allez, c'est parti. Donc on peut quand même normalement accéder à la tactique. Je peux pas accéder à la tactique. Ok. J'aurais pensé que je pouvais accéder à la tactique, mais je peux pas. Donc on peut faire que les changements à la mi-temps ou quand on est en jeu rapide. C'est parce que c'est la prépa, sinon on peut faire beaucoup plus d'ajustements, vous allez voir après quand je serai sur des matchs officiels. Donc on a remporté le match 6-0. Donc là, on va voir les statistiques du match. Donc on a fait 14 tirs cadrés sur 34. Là, c'est la compo de l'équipe. Là, c'est les notes des joueurs. Et ça, c'est les statistiques détaillées. Donc la possession de balle, on peut vraiment avoir tout ce qu'on veut. Et on peut enlever des joueurs, par exemple. Si on veut savoir qui a fait quoi comme passe. Et on a un gros jeu dans l'axe quand même. On a 6 centres seulement, on a 210 passes normales, les passes courtes en profondeur, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Voilà. Donc on peut vraiment avoir plusieurs aspects. Les fautes, les tacles ratés. Vous voyez qu'on a raté pas mal de tacles, mais plutôt offensivement. Défensivement, ils ont été quand même bien.
Ça, c'est les interceptions. Et les duels aériens, il n'y a plus de duels aériens. Donc on a des... Ça, c'est tous les tirs qu'on a mis. Non cadrés, coup de pied arrêté, etc., etc. Donc on peut regarder les non cadrés. Et on pouvait mettre exactement, vous voyez, il y en a deux de Draxler, il y en a quatre de Neymar non cadrés, un d'Mbappé, deux de Verratti, et on nous donne les attributs. Là, on va nous donner les attributs de qui c'est qui a mis des buts, on va nous dire qui c'est qui a cadré ses tirs, et qui c'est qui a tiré les coups de pied arrêtés. Donc vous voyez, je prends de l'XP, 30 XP pour les buts marqués. Ok, donc c'est 5 XP par but. Match sans but, je prends 10 d'XP. Résultat du match, victoire 10 d'XP. Et c'est multiplié, donc là, parce que c'est un match à l'extérieur, par 1,2. Et comme l'adversaire est assez faible, c'est fois 0,71. Donc au plus l'adversaire va être haut, au plus ce multiplicateur va être élevé. Mais si je ne mets pas beaucoup de buts, est-ce qu'il y a vraiment l'intérêt d'avoir un 1,5 si je gagne 1-0 et j'ai 5? Je ne suis pas persuadé que ça soit plus efficace. Donc, je pense que le procédé de faire des matchs de préparation est pas trop mal. On prend 69 XP et on va monter notre XP. Voilà, j'ai débloqué 5 crédits ici. J'ai débloqué 6 points pour mon entraîneur. J'ai débloqué 10 petits boosts et j'ai débloqué 3 attributs ici. Donc on va pouvoir boost d'alchimie d'équipe, boost de notes d'avant-match. On va faire le solde initial, ça c'est important. Les futures stars, ça serait bien qu'on ait de la future star. Boost alchimie. Ouais, je pense qu'avec notre prépa, j'ai pas forcément besoin. On va plutôt faire ça. On va le confirmer. Et on a récupéré 6 points ici qu'on va s'allouer. Donc parrainage, augmente le montage de parrainage de futur offre, réduit salarial, négociation des transferts. Pour le moment, on n'en a pas besoin avec cette équipe. On va monter l'entraînement des gardiens, l'entraînement de la défense, l'entraînement du milieu, l'entraînement de l'attaque, l'entraînement des jeunes aussi, on va le monter. On va éviter au maximum les blessures. Non, c'était là les blessures. On va éviter les blessures. Voilà, on va confirmer ça. Ce qui fait que je monte les notes de mon coach. Et c'est le but de la carrière avec Paris, en fait. Sinon, je n'aurais pas pris forcément Paris, puisque je trouve que c'est au-dessus. Ça, on va jeter à la poubelle. Icardi n'est pas satisfait. On s'en fout. On va avancer. Normalement, on va nous proposer un petit tournoi. Alors, pareil, le petit tournoi, on a ici par exemple Chelsea, Real et l'Inter. Ça nous ferait gagner 4 millions. Mais attention, n'allez pas chercher du 4 millions 25 si on veut monter l'XP. Il faut prendre les matchs les plus faibles. Mais je ne suis pas persuadé que ça soit plus faible que ça. Je ne suis vraiment pas persuadé. Donc, on va quand même prendre ça. Ouais, ça se dispute en Espagne. Et ça se dispute en Angleterre. En Angleterre, il y aura deux équipes. Alors que là, il n'y aura qu'une équipe en Espagne. On va prendre le maximum, mais bon, je ne sais pas si c'est bien. On a tout fait. On va avancer. Encore une fois, vraiment commencer la carrière avec un gros club. Je pense que c'est important pour le XP, comme je viens de vous le montrer. Ça, c'est important. Après, vous avez l'aspect. Donc, une fois que vous êtes occupé de votre coach, vous avez l'aspect pour faire de l'argent. Donc, pour faire de l'argent, alors là, c'est pas forcément la bonne équipe, puisque si après vous jouez pas avec cette équipe, il faut regarder. Vous voyez, un joueur de 22 ans aura une grosse marge de progression par rapport à un joueur de 27 ans. Un joueur de 34 ans, ici, par exemple, il n'y a plus de marge de progression. 35 ans, c'est sur le déclin. 24 ans, etc., etc. Donc là, moi, je vais garder les joueurs parce que je veux
continuer à monter l'XP de mon coach. Mais si j'avais un club comme ça et que je veux pas monter, vu que Donnarumma sera titulaire, Navas, je pourrais éventuellement le vendre et rentrer de l'argent. Ramos, c'est pareil. Et le fait de vendre ces joueurs-là, ça va libérer des places à des joueurs qui ont un potentiel plus important et vendre tout ce qui n'a plus le potentiel de s'améliorer. Vous voyez ici, j'ai Kurzawa par exemple. Kurzawa qui a 28 ans. Le moral, il est très mauvais. Et on peut voir qu'il peut prendre qu'un point. Et il a dépassé déjà son sommet. Donc c'est même pas sûr qu'il prenne ce point. Donc ça serait un joueur plutôt à vendre. On va peut-être le faire d'ailleurs. On va le mettre. Alors attendez. Il lui reste 12 mois de contrat. Dans un premier temps, on va peut-être lui refaire son contrat. Non, on va le mettre sur la liste des transferts. Ramos, il est à 85. J'ai Kimpembe que je pourrais faire jouer à la place de Ramos. Donc je pense que Ramos, c'est pareil. Il a 3 ans de contrat. On va le mettre en vente. Parce que je pense que son attribut, il n'ira pas chercher son. Enfin, même s'il a son point. On va le mettre sur la liste des transferts. Bon, il veut pas. Je pense qu'il veut pas parce qu'il vient de signer. Ici, on a Gueye, pareil. Apparemment, son potentiel est atteint. Il est à 82. On va voir ça de plus près. Il peut monter de 1, mais c'est atteint. Il reste 4 ans de contrat. On va essayer, voir. Ok, c'est passé pour Gueye. Après, qu'est-ce qu'on a? On a Pereira. Pereira, il a quel âge? Il a 29 ans. C'est pareil, son attribut, il n'est pas fantastique. 50 contrats. Donc, 50 contrats, normalement, je ne peux pas le mettre. Il ne veut pas le coach, en général. Ici, c'est stable. C'est stable pour le moment. Donc, on conserve Herrera, qui a 31 ans. Ça ne va pas progresser. Ça a 3 ans. On va essayer de le vendre. Ok. Ça c'est bon, ça c'est bon. Di Maria, mais on va garder Di Maria, je pense encore. Où on le vend, 84. Icardi est à 83. Il n'est pas content. Il peut monter à 84. Je vais peut-être le vendre. Il a 5 ans, je pense que ça passera pas, mais si, je peux le mettre parce qu'il a 5 ans. Ok. En fait, c'est pas une histoire de 5 ans, à mon avis, c'est une histoire s'il vient d'arriver au club ou pas. Donc ces joueurs-là, on les a mis. Bien entendu, si je les ai mis, il va falloir que je recrute d'autres joueurs à la place dans l'équipe réserve. Là, on a franchi. On voit qu'il peut progresser jusqu'à 70. Là, jusqu'à 89. Donc tout ça, on va conserver parce que ça peut progresser. Et on essaiera de les monter, eux, plutôt. Donc après, nous... Si on veut faire vraiment de l'argent, ça serait de faire ça. Ça serait de faire une recherche sur les positions de tous, les attributs. Voilà, sur l'âge déjà, on baisserait ici des joueurs de 20 ans. La valeur, on a 45 millions. Donc en valeur, on va descendre. Millions dans un premier temps. Ok, et on va faire une recherche. Et ça, c'est tous les joueurs qu'on peut avoir. On va les mettre par âge. Non, on va les mettre par note, pardon. Donc 20 ans, 20 ans, 18 ans ici, par exemple. Vous voyez? Donc après, selon les joueurs qu'on aura vendus, par exemple, être nourri, ça peut être intéressant. Ok, ils sont occupés. Donc je ne peux pas le superviser. Je ne peux pas le superviser parce qu'ils sont occupés. Mais je pense que être nourri, ça peut être intéressant. Latéral offensif. Si je vends mon attaquant, voilà. Ça, on ira chercher. Selon les ventes qu'on aura faites, bien entendu. Et quand vous partez avec un petit club, vraiment, si vous partez dans des basses divisions, vous mettez carrément 16 ans. Vous allez trouver des joueurs. Alors, vous n'allez pas avoir d'argent. Donc, va falloir faire une recherche
La recherche que vous allez devoir faire, c'est ici, vous mettrez agent libre et vous mettrez des joueurs pareil, hein, des joueurs vraiment vraiment à gros potentiel en valeur, bien entendu. Comme vous n'aurez pas beaucoup de sous, et bien faudra baisser l'argent pour voir ce qu'on peut vous donner. Et vous ferez une recherche et vous aurez des joueurs qui vont dans votre club qui sera à peu près à 40. Alors certes, les joueurs ici que vous allez trouver, et ben vous allez me dire ouais 47 c'est le même niveau, sauf qu'ils seront plus jeunes. Donc normalement, plus jeune veut dire plus grosse possibilité de progression qu'un ancien. Voilà. Et à moindre coût selon les compétences des joueurs. Donc après, c'est comme de partout, hein, quand vous allez chercher des joueurs plutôt dans les pays de l'Est. Oh, ma chaîne, putain. Quand on va chercher des pays plutôt dans l'Est, ça coûte bien moins cher. Hé! Mia, tais-toi! Ferme la porte, Evan, s'il te plaît. Ferme-moi la porte, là. Donc là, ça va être plus dur par contre d'aller gagner contre Chelsea. Donc Messi un peu fatigué. Ici, on va jouer le match. On va pas le simuler comme on a fait tout à l'heure. On va le jouer. Pour vous montrer un petit peu également. Donc là, il y a une présentation au début, vous la regardez pas. Avec les joueurs. On peut pas régler le son. Et là, voilà, vous avez une barre sur le côté. Vous pouvez faire plusieurs réglages différents. Ici, vous pouvez faire plusieurs réglages. Donc, on peut mettre que les moments clés, étendue, les vues, la vitesse qu'on veut, en 3D ou en 2D. Afficher les conditions physiques des joueurs, ok. Vous pouvez remodifier votre aspect tactique et tout le temps jeter un œil s'il y a des joueurs qui physiquement prennent dur. Vous avez les statistiques du match que vous pouvez regarder, etc., etc. Donc, vous avez pas mal d'aspects du moment que vous mettez jouer match. On a eu chaud, on a pris un poteau. Après, vous avez votre adjoint, vous voyez, il me dit Chelsea a des faiblesses sur le côté droit, appuyez votre jeu sur le côté droit. Donc vous pouvez ou pas le sélectionner. Je sais pas si ça influe au niveau, je pense que ça peut influer au niveau de la cohésion tactique. Ça peut vraiment influencer sur la cohésion tactique, le fait de faire un changement alors qu'on a travaillé une tactique. Donc moi, je reste en place comme je suis. Et là, on vient de voir le but de Neymar. De Mbappé, pardon. Extérieur, pied droit.
quand il veut le tirer. Il est venu, il a fait tous les mesures et tout. Je dis, mais quel monsieur? Et puis en fin de compte, il est venu faire le DPE. Ok. Sur le truc et tout. Et je dis, mamie, jeudi, vous serez là jeudi matin parce qu'on a trouvé un expert. Et elle dit, bah si, il faut que je sois là, je suis là. Allez, vous serez là. Putain, les portes, mon cœur. Quoi? Ah là, je vais avoir un bon boost hein, si je gagne le match. Parce que c'est en Angleterre, donc je vais avoir à l'extérieur le nombre de buts et l'équipe quand même, c'est Chelsea. J'ai pas encore gagné, mais si je gagne. J'ai essayé avant Paris, avant de vous parler de l'XP, j'avais perdu contre Liverpool et j'avais fait match nul contre l'Atlético. Et là, ça se passe plutôt bien. Donc Messi est quand même très fatigué, mais il a 10. Et j'ai peur que de rentrer Draxler, ça me... On va le sortir quand même. Ah oui, il faut que je rechange mes tireurs parce que j'ai souvent... faut que je rechange parce que sinon c'est Draxler qui prend. Droitier. Neymar. Non, Di Maria. Coaching gagnant, Draxler qui marque. Je vais prendre des points en XP là, hein, 4 buts contre Chelsea.
Kimpembe, c'est défenseur relanceur. Et Kéa, c'est défenseur tout court. On va quand même mettre Kimpembe. Cette réduction du score? Non, à côté. Oh le poteau, Di Maria. Donc lui il est fatigué, on va rentrer Gueye. Je rappelle que c'est un jeu gratuit, donc vous pouvez également mettre de l'argent dedans pour monter plus vite, mais bon, je trouve qu'il n'y a pas lieu puisque je joue pas en ligne déjà. Alors est-ce que je crois pas qu'on puisse jouer en ligne en plus? Si on pouvait ne pas prendre de but, ça nous permettrait d'avoir le XP comme quoi on n'a pas encaissé de but. Kimi qui est fatigué. Kimpembe fait pas un gros match pour le moment. Comme ça, vous allez pouvoir voir quand même que l'XP, le fait de prendre un club intéressant, ça vous permet quand même de monter l'XP beaucoup plus facilement de votre coach. Et encore une fois, c'est ce que je conseille de faire. On va le voir tout de suite. Et on va pouvoir comparer, comme je vous disais, par rapport aux adversaires. On a 6 tirs cadrés, on met 4 buts, ils ont 3 tirs cadrés. Notre gardien a fait plutôt un bon match. Et vous voyez 0,97, d'où encore une fois l'intérêt de prendre plutôt des petites équipes parce que je prends 47 points, mais c'est pas tout le temps qu'on va mettre 4-0 à Chelsea, bien sûr.
et 72 d'XP, ce qui est plutôt bon. Voilà, donc en prenant Paris, vous voyez comme je monte vite l'XP quand même. C'est pour ça qu'il faut prendre un club de ce niveau. Puisqu'on a fait quelques matchs. Non, c'est pas ça que je voulais voir. On a fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 matchs. Et le niveau de mon coach, j'ai 307 points de XP. D'où l'intérêt de débuter pour monter le niveau de son coach avec une équipe. Je pense que en Europe, Ajax, Bayern et Paris sont les trois équipes qui peuvent vous rapporter plus de points, je pense. Allez, on va sauvegarder. Et on va s'arrêter là. Donc voilà, comment monter l'XP. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple. N'hésitez pas. S'il y a des questions ou autres, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Merci de me suivre sur ma chaîne YouTube. Merci pour le live également, messieurs.